Salut à tous, en espérant que vous avez passé une très bonne semaine. Nous trouvons que comment dire, Christmas Moodland finit arrivé, n'est-ce pas? Et c'est tant mieux. Comme vous le savez, comme chaque vendredi, notre objectif reste le même, vous informer et vous divertir. Allez, place tout de suite au sommaire de cette édition. Navin Ramgoolam promet un voyage à la Réunion aux personnes âgées. Mais dans quelles conditions? C'est le dossier de cette semaine. Retour sur les discours de l'ancien Premier ministre, mais aussi de tout ce qui s'est passé dans la 9 minutes de Noémie Ukia. Santa is getting ready to travel across the globe and Harry Stewart is making sure that everyone in fait bons enfants. She will be there for the world in news. Duel entre Messi et Mbappé pour la finale de la Coupe du Monde. Qui le mérite vraiment? Reportage dans cette édition. Et des bonnes nouvelles, il y en aura bien sûr avec notre femme soleil Ursula la reine. Nous sommes le vendredi 16 décembre. Bienvenue dans votre news show. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue et elle est signée ce bon roi lion Navin Ramgoolam à la conquête des seniors pour promettre un voyage gratuit aux personnes âgées à l'île de la Réunion. De quoi bien séduire nos aînés au cas où Pébizé gagne une élection bientôt. Pension de vieillesse, voyage gratuit, nos politiciens, tous les partis confondus, ont bien compris, pour emporter des élections, il faut savoir séduire les personnes âgées. Toi, tisénès, fini collège, à l'université, à l'heure d'un travail, qui pas pour permettre toi, prends l'heure à cause, pas tout peut monter, l'avenir du pays, l'idée en troisième âge. Nos aînés à la Réunion, gratuitement, comment vous faire ça? Est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est le dossier de cette semaine. Mon chien, comment il est? Tu me tiens ta haine? Comment il est, voyage, l'est bien passé? Il n'y a pas causé. Mon rhumatisme peut prendre moi. Ah, les fragiles, le cousin Mauricien. Sinon, bienvenue à l'île de la Réunion, Tu me tiens? Bienvenue à la Réunion. Allez, prêt pour passer un bon séjour chez nous, Allez, mon garçon, ringue un billet, cadeau. On va aller mon frère ici, moi. Ah, avec nous, Tlaine. Bon programme bien étoffé, pout. Ah. Alors, on est capable de faire un tyrolien à Sainte-Marie. Ah, mais les deux trop mal, mon garçon. Ah, sinon, on est capable de faire randonnée à Piton-la-Fournaise, ils voient le volcan. On va capable de manger beaucoup, mon alas. On est capable de faire la plongée dans la baie de Saint-Lô. Oh, magnifique. Ah, mon gars, bien d'élo, mon garçon. Par rapport. Mon gars, bien cheese. Manger. Hein? Nous, t'as beaucoup de plats très intéressantes. Ah, mon adjabé. On fait un bon gars, boucané, saucisson de la Réunion. Ah, oui, la cholestérol, mon garçon. Mais où t'es un corbillon en bilan, cousin? Où t'es chez nous, ne peut rien faire? Qui te met bien? Qui te met bien? Tête pioche, où l'un t'entoche à la plaque toutes oreilles, quoi? Qu'est-ce que ça, où l'a fait? Ah, mais gros, moi? Qui m'a eu fait d'ouf? Moi, mon redon avec votre radio. Ah, où t'aimes la bonne musique, t'es? non, mon content. Mon redon, si ça vit de décès, mon redon, connaît qui m'a manqué à moi d'une grève. Après, on va prendre un comprimé tension, mon dormi. Attends-moi, l'aime. Mon viens là. Ça, Maurice, il emmène quel grand monde ici. Et t'as côté là, allez! Si, moi, j'ai été ici, hein, t'es une fané. Hein? Pas venir dire que c'est tracking parce que toi, là, t'es pour dire que t'es pour canet dans le non! Il faut savoir les lois mauriciennes, et heureusement, Christophe Salambert est là pour nous éclairer. Tandji! Ah, c'est ça! Hé! Kevin Pédia, c'est une solution révolution. Mais est-ce qu'ils te connaissent si ils te participent dans un riot d'après criminal code, les illégal? Et si ils te participent dans un riot et ils te condamnent, ils te risquent 100 000 roupies d'amende et 10 ans prison. C'est une solution peut-être révolution, mais seulement qu'une équipe est faite. Oui, vous l'aurez remarqué, oui. Nous accueillons Noémie Ukia. Pour ça, Noémie Minute, parce qu'il a envie d'essayer de faire Maria Carré, mais visiblement, il n'y a pas Maria Carré. Salut Noémie. Salut à tous. Oui, toi tu connais, c'est moi pas dans les affaires. Donc, Banla peut faire la bouse doux avec 1000 roupies compensation, mais l'autre côté... C'est les doigts d'auto et vous avez compris, l'actualité de cette semaine, c'est bien la hausse du taux directeur. En gros, toi, qui paie envie de prendre un loan, te pour
plissés. Si pour les jeunes, les jours à venir s'annoncent difficiles, en tout cas, ce sont nos seniors qui s'en donnent à cœur joie. Entre l'annonce de la hausse des pensions et autres promesses, l'ancien Premier ministre Navin Ramoulam promet, lui, un voyage gratuit à La Réunion à nos aînés. Pour commencer, Premier du monde qui faisait un fentil et tout, c'est Lee. Voici tout de suite le compte-rendu de l'actualité de cette semaine. Cette annonce de l'ancien Premier ministre n'est pas passée inaperçue. Ça, c'est la vie. Quel plaisir nous avons de la vie. Alors, nous avons un man nous avons fait nous faire. Ça, du monde qui signe. Ça veut dire qu'il finit gagner 60 ans pour faire voyager à La Réunion un coup au moins. On a aussi vu que Navin Ramgoulam s'est exprimé sur les dispositifs pour d'éventuelles prochaines élections générales. Pas tient le computer room avant. Donc, l'élection pas tient le computer room. Pas besoin de computer room. Nous besoin qu'on était le même jour. Arrêtez ça, fait un camion, saleté, venez prendre un bulletin. Toujours libon, hein, pour gagner conseil ou élection avec Angie Moon qui finit PAD des dernières élections. Mais ceci dit, le Premier ministre par intérim, Stéphane Obigadou, s'est exprimé sur la fameuse annonce de Navin Ramgoulam. Il y a un courage de tourisme entre Maurice et La Réunion. On va réfléchir à la proposition. Tant mieux, si c'est un intérêt pour la relance du tourisme régional. Voilà. C'est bon? Mais si on a bien retenu quelque chose de cette conférence de presse, c'est qu'il y a un officier ministère là, et bien, c'est bien bon de PowerPoint. Hein. Deuxième diapo. Et c'est pour ça qu'on passe à prochaine diapo. On passe à prochaine diapo. On passe à prochaine diapo. Prochaine diapo. Peut-être nous allons passer au diapo suivant et puis nous retournons là. Mais quoi qu'il en soit, même si Navin Ramgoulam pas gagne prochaine élection, je pense que la sélection mauricienne de football tient déjà son prochain sélectionneur. Par exemple, elles ont fait que mon gars des trois matchs, hein, on va dire pas de tout. Maroc, par exemple, on va faire manière qui donne, je gagne boule, je donne ça sur l'Albert. Ça voulait pas faire ça. Mais je bien ça. Les prochains jours seront décisifs pour le porte-monnaie du Mauricien entre le boni de fin d'année, le salaire du mois de décembre et la compensation salariale de 1000 roupies. Ah, mais non, quoi que ça, j'attends encore 30 ans. Là, nous cavale un petit voyage, ouais. L'île de La Réunion. Merci beaucoup, Noémie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. It's time! La semaine prochaine. Ma salut. Plus que 9 jours avant que sa vieille boulomme-là passe dans cette laséminée et nous connaît qui dans Maurice Pénal laséminée. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, nous allons retrouver notre duo d'artistes préférés, Wachal Pink et Wachal Fink. Oh 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 oh! Eh, bonnes enfants, Père Noël, Père Signal Zut, Père Noël, Père Jésus, Père Bons Enfants! Père Bons Enfants, exactement, Père Bons Enfants, mal Bons Enfants! Nous connaissons, c'est un mal Bons Enfants! Mais c'est qui pas fait beau, va pour gagner un cadeau! Pas oublier vos autres souliers, des gros autres sapins! Et mes autres souliers en bas sapin pour qu'ils campent un Noël vini! C'est un gros gros cadeau! Oh 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 oh! Pas oublier faire beaux enfants! Parce qu'il sait qui pas fait beau, va pour gagner un cadeau! Pas pour gagner un cadeau, pour gagner un bâtiment! Après, c'est la même la paix Noël pour commencer! Qu'est-ce qu'ils ont fait faire? Et même c'est qui fait beau, pour gagner un gros gros cadeau et bonhomme Noël! Oh oh oh! Gros poids! Et vos enfants, Père Noël compte en zone! Oh 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 oh! Let's welcome now Aris Turk for the world news. How are you, Aris? I'm new. Oh, fine. So what's happening in the world news? Well, we're heading into 2023 soon, and some people might be thinking of quitting smoking as a New Year's resolution. Well, New Zealand has decided something very similar, except this applies to the whole country and affects people born after the year 2008. The country has announced a lifetime prohibition on cigarette sales to everyone born after this year, and is a result of more than a decade of public health campaigns. It basically means that taking effect from next year, the smoking age will be raised year by year until it applies to the whole population. Okay. So bye bye smoking.
By the end of next year, it's estimated that 90% of the country's tobacco retailers would also have lost their licenses, so that's the other side of it. The country is not playing around about going smoke-free by 2025. I guess I only have one question to all the smokers out there. Can you imagine a law like this here? Absolutely not. I think there would be violence. But even minors smoke there. No, but that's the point. They're trying to stop that. TikTok is shaking things up and possibly becoming a bigger threat for fellow social networks like YouTube as they roll out a selected testing of a new feature. Certain users from all over the world are being able to view TikTok videos in landscape mode as a way for the platform to roll out longer length videos in the near future. Yeah, it's revolutionary. Basically, TikTok has appealed to a younger demographic for a while now, and the move is aimed at getting access to a more mature crowd. Okay. So what we can take from this is that TikTok thinks older people, right, like videos in landscape mode, and they want to offer longer videos in the near future. Or voila, we can have an alternative. No, but that's the thing. So turning the screen means older crowd. Oh, watch YouTube. It's more easier. We've all heard of the Guinness Book of Records, but did we know there are Hollywood records? Wow. Well, yes, there are, and Kate Winslet has just smashed a record formerly held by Tom Cruise. The Avatar actress held her breath for 7 minutes, 15 seconds while on set of the newly released blockbuster, breaking Tom Cruise's record of 6 minutes while he was filming Mission Impossible Rogue Nation. The 47-year-old actress spent 4 weeks training in a diving tank in preparation for the movie, and needless to say, well, she's impressed everybody. Okay. She revealed, though, that she thought she had died and was caught on camera asking if she's dead as she surfaces. Literally, am I dead? That was the first question she asked everybody. Skills, I tell you, skills. They're not just actors, actresses. Why they didn't use CGI? Because she wanted to prove herself. Okay. And that's all from me. See you next week. Thank you, Harry. See you next week. Bye. C'est désormais officiel. La finale de la Coupe du Monde au Qatar opposera ce dimanche la France à l'Argentine. Duel annoncé entre Mbappé et Messi, deux coéquipiers au Paris Saint-Germain. Sauf qui ? Mbappé, qui bientôt pour gagner 24 ans, déjà fin gagne sa trophée là en 2018 et qui est capable encore gagner lui parce qu'il y a encore zen. Par contre, Messi, c'est ce dernier Coupe du Monde. Parce qu'après ça, retraite, tonton. Les deux joueurs se sont rencontrés avant cette grande finale. Reportage. Ah, enfin, la finale de la Coupe du Monde. Je suis très heureux de jouer ce match contre mon ami, Lionel Messi. Petit de taille, mais immense talent. Ouais, bon, vraiment, pas chaud pour défausser sa petite qui ne fait que là. Bah, de qui tu parles? Un enfant mal élevé qui déclare Marie-Li. Hé, de ça qui te l'est, tu es nassé à toi? Hein? Tu es nassé à toi? Hé, puis prends ça, tonton! Tonton! Tiens-moi ça! Tonton! Tiens-moi ça! Amenez la coupe à la maison! Tiens-moi ça! Allez, les bleus, allez! Tiens! Hé, je peux te faire ça! Eh bien, quand tu fais ça, parce que tu n'as aucun problème. Argentina! 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 Il est l'heure un peu d'annoncer des bonnes nouvelles dans cette édition du New Show. Et pour ça, nous accueillons Ursula, la reine. Salut Ursula. Salut Bertrand. Le moment de les rayons de soleil. Malin. Oui, c'est beau. Les résultats du Primary School Achievement Certificate sont tombés vendredi dernier. Et bonne nouvelle pour les écoles de la zone d'éducation prioritaire, les écoles ZEP. Parmi les 28 écoles de cette zone, 20 ont brillé lors des examens. Et c'est quand même une très, très belle amélioration. Et puis bravo à tous ces enfants de toutes les écoles primaires qui ont réussi aux examens. Voilà. Du passage. Ouais. Bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe de France. Deux en finale, papa. Oh, nous boutons ça pendant 4 ans. Toute l'équipe de Radio One vous invite à venir suivre la finale au NSI Parc Hôtel ce dimanche. À partir de quelle heure? Alors, le coup d'envoi de la rencontre, c'est à partir de 19h. Mais toute l'équipe de Radio One pour présent à partir de 18h. Voilà. Ben voilà, vous avez rendez-vous avec nous et avec l'équipe de France. Avis aux amoureux du ballon rond. Nous joignent dans NSI dimanche. Et oui, nous joignent NSI. Les cinéphiles sont
servi en cette fin d'année. Après 13 ans, ils ont droit à Avatar 2. Alors, Avatar, la voix de l'eau qui reprend le chemin de l'astre Pandora des années-lumière de la Terre, raconte l'histoire de Jake, de Neytiri, de leurs enfants, des épreuves auxquelles ils sont confrontés. En tout cas, un film de plus de 3 heures à voir en salle à Maurice. Je l'ai pas encore vu, mais les reviews sont quand même très positifs. Alors, James Cameron, qui a frappé fort cette année, un joli plan week-end, en tout cas avec la famille. I see you. Ouais, fais pipi à voir alors, ça. 3 heures quand même, hein. Voilà, Bertrand. Oui, n'oubliez pas que votre positivité est plus forte que toute négativité. Noël dans 9 jours vous êtes. Et merci à Nathalie pour ça. Oui, merci beaucoup. Gros bisous Nathalie. En tout cas, merci beaucoup. Je suis là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez la reine, allez, bye bye. Merci de finir cet épisode du News Show là. Encore une fois, pas oublier pour like, commenter et share sa vidéo. La sonne la cloche, subscribe. La page YouTube de One TV et surtout pas hésiter pour abonner aux autres dans différentes plateformes que sont Facebook, Instagram et aussi TikTok. À nous qui dit c'est bon, ben commentez qu'ils ont fini à vous nous qu'on va lire tout de suite à commencer par Ipenova qui dit à nous Bertrand, si tu n'as pas connu qui pour faire avec te bonnie fin d'année, ben dis bien simple, mets-les dans mon poste, Maclo. Ipenova. Bon, c'est bon pour gagner là. Pas quand même, ça doit te poser facile comme ça, mon frère. Après, il y a Farhan Hatia qui dit à nous, Brada, nous marie loyaux, nous tisil Maurice, mais nous chose, c'est ça même qui pégote nous près en nous pays. Sinon, les Wachal, Bizel, nous l'adresse là. Qui l'adresse te pégote? Watching from Luxembourg. Merci beaucoup, Farhan, pour ton message. Après, il y a un message très, très spécial hein, de la part de Sébastien Laville qui dit à moi, bon anniversaire, Bertrand. Alors, petit message bien important à Ban Jimoun qui get le new show. Et n'a plaisir, browser, je capable get le new show. Hein, je capable get le Google, comme moi, je fais réclame là. Hein, je capable get le Opera. Mais comment dire, si je peux get le Internet Explorer, l'anniversaire, c'est 6 mois avant ça. Donc, pas bizarre, comment dire, j'étais un petit peu en retard. J'étais un petit peu en retard. Et si Sébastien Laville te peut t'en dire qu'il est dans un bateau, il a écrasé le point de destin. Pas qu'à être à cas, balène fini Tchelli, tout le monde se fait finir repousser. Mais quoi qu'il arrive, je connais la ville isolée quand nous vivons avec Benjamin qui nous content. Et nous marions contents eux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un très très bon week-end. Allez, ciao. À la place.